Carl Faubert était un fouilleur professionnel. C'est dire que depuis son retour de Corée, où il a servi sous les drapeaux, il exerce à titre de détective privé à Montréal. William Hamilton, un riche industriel, l'avait contacté en lien avec une banale affaire de vandalisme. Pas de quoi fouetter un âne. Pas de quoi non plus payer un détective privé pour traverser des heures de mauvaise route. Mais c'est toujours pareil. Le client paye, Carl exécute. Ils avaient rendez-vous au magasin général. Ça appartenait à son client. En fait, tout le village appartenait à William Hamilton. Quand la route est mauvaise, boueuse ou enneigée, c'est la coutume dans ce coin de pays d'en restreindre l'accès. C'était aussi la coutume de ne pas trop y prendre garde et de passer quand même. Carl attendait depuis un moment qu'un employé surgisse pour relever la barrière. Comme c'était étrange d'ailleurs, une route comme celle-là, ainsi obstruée. Décidément, aucun employé ne se presserait à ouvrir la barrière pour une route qui menait nulle part. Carl devait se débrouiller seul. Il fallait maintenant que Carl remplisse son devoir. Hamilton l'attendait au magasin général. William Hamilton jouissait d'une vaste maison de campagne au cœur des forêts du Nord, non loin de là. Les populations locales étaient divisées au sujet de William Hamilton. Certains voyaient en lui un philanthrope fortuné au service de l'économie de la région. D'autres le détestaient jusqu'à manigancer contre lui, ce vieil Anglais riche, prêt à tout pour gonfler son industrie. Dernièrement, William Hamilton s'était porté acquéreur de divers commerces locaux et avait mis en branle la réouverture d'une mine, éveillant hurlements de colère et menaces dans la population gris. Lorsqu'on savait Carl, plusieurs personnes avaient de grands motifs de s'en prendre à William Hamilton. Jusqu'ici, on n'avait attaqué que sa maison, mais bientôt, pensait Carl, on s'en prendrait aux riches industriels.
Carl devait sortir de là. Le froid et la douleur appelaient les soins de toute urgence. Carl se demandait s'il devait endurer encore longtemps le froid qui lui piquait la peau. Voilà mieux qu'il ne pouvait l'espérer. Carl Faubert s'en sortirait une nouvelle fois, en route, pour de plus grandes aventures. En pleine campagne, il restait à espérer un garage abandonné ou une fermette au bord de la route. Sa survie en dépendait. Le chauffeur avait des guerpilles. Il fallait tout de même fouiller, ne rien laisser au hasard. Carl avait besoin d'assistance. C'était une petite boîte verrouillée sur laquelle se lisait, gravé finement, WH. Carl songea à la prendre. Il ne fallait rien laisser au hasard.
habitué à surprendre les équipes de clients en flagrant délit d'adultère, le Polaroid était depuis longtemps le fidèle allié de Carl. Il a toujours un portrait à croquer de toute manière. Sur quelques hectares de forêts vierges, de caribous bramants, de neige éternelle et de lacs inviolés, la région de Manastan n'était pas faite pour les touristes. Elle abritait depuis des millénaires, disait-on, des populations cri et depuis l'ère industrielle, des mines de métaux. Sans doute Jean-Luc Bédard avait été dans le village l'homme le plus proche de William Hamilton, alias Oncle Willie. Par bonheur, le magasin n'était plus très loin. Carl commençait à craindre la panne d'essence. Ne donnent pas si facilement leur divin nectar. Il fallait les activer. Il ne restait plus qu'à trouver l'interrupteur à l'intérieur. Chaque semaine, le laitier devait passer à remplir les bouteilles. À sentir le lait frais, il était bel et bien passé cette semaine. Quelque chose est tombé dans le fond de la boîte. Carl n'eut aucun mal à reconnaître son employeur. Il avait été assassiné. Il ne fallait pas être détective pour le constater. Mais il fallait être détective pour noter que le tueur se tenait tout près, que le coup avait été porté sans que la victime ne se défende. Que devait contenir cette enveloppe? Carl était interloqué. Il reconnaissait l'adresse. C'était là, disait-on, que le service secret du Canada avait sa boîte postale. Un saut comme celui-là, c'était irréel. Le gars sur la motoneige ferait pas vieux os avec des acrobaties pareilles. Ils ont l'air fiers, ces chasseurs-là, d'avoir tué une bête au beau pelage. Avec des hommes comme ceux-là, se dit Carl, il y aurait plus un loup sur le continent d'ici 10 ans. Un beau portrait du magasin au jour de sa naissance. Le magasin La Chance, que ça s'appelait. On sent que ça appartient à une autre époque.
Le garage et le magasin ne pouvaient être alimentés en électricité au même moment. La note livrait là un sage conseil. Le garage et le magasin ne pouvaient être alimentés en électricité au même moment. La note livrait là un sage conseil. On aurait dit qu'une explosion avait soufflé dehors. À voir le registre, on dirait bien que tout le village vivait grâce au crédit du magasin général. Carl vit là plusieurs bonnes gens qu'il voudrait bien visiter. Comme le savait Carl, Gilles Lachance tenait le magasin général. Ça faisait de lui un employé de Hamilton. Un employé fort mécontent, comme Carl pouvait en juger. Elle frappait tout sans distinction. Carl constata sans surprise la ligne hors service. Qu'est-ce que ça fait là ? Se demanda Carl. Hamilton devait vouloir garder bien secrètement une information pour ainsi poster une clé. Ça ne lui a pas porté chance. Tout s'éclairait. Le pauvre Hamilton avait été interrompu dans sa dénonciation. Il avait cru bon de tout verrouiller, d'envoyer la clé à son correspondant et de mettre la boîte à la poste plus tard. Habile, mais pas assez. Voilà où s'amènent les gens ordinaires de jouer aux espions. Cette machine n'était d'aucune utilité sans le grand dieu électrique. Carl était habitué aux choses étranges. Mais une glace comme ça, un iceberg sorti du sol, il n'en avait jamais vu avant.
Des empreintes? Karl avançait de surprise en surprise. Était-ce un défaut de l'appareil ou une piste à suivre? Karl n'était pas électricien, mais il savait reconnaître un problème de filage quand il en voyait. J'ai la chance. Une bonne enquête devait assurément commencer par là. Il fallait bien plus d'électricité pour espérer bouger ce gros chariot. La barre à clous était coincée sous le chariot. Même en mettant tous ses muscles à profit, Karl ne pouvait espérer la tirer de là. Ne se portait pas dans son cœur. Le magasin et ses alentours n'avaient pas livré tous leurs secrets, pressentait Karl. Il n'aimait pas passer à côté de quelque chose.
jamais pensé qu'il danserait avec les loups. Carl était en train de crever. Il avait le goût de la mort à la bouche. Logis B. Beaucoup d'espace, mais pas de fenêtre. Ça devait donner la migraine. On avait joué de l'arbalète, qui est un jouet dangereux. Ça peut crever les yeux, ça peut crever les pneus. Ça peut vous tuer un homme, si c'est bien décoché. Une vraie grotte, cette cabane-là, pensa Carl. Il faisait beaucoup trop noir. Fallait faire attention pour pas se cogner sur les meubles.